Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Pour transporter un conteneur de 20 pieds, la position idéale, celle-ci telle que vous la voyez. Le conteneur doit se positionner à l'avant de la remorque. Pour cela, vous avez un chariot que vous avancez ou que vous reculez. Alors pour la démonstration, nous avons Michel qui va nous montrer comment déplacer le chariot sur cette remorque. Tout d'abord, appuyez sur le bouton. Cela va déverrouiller les crochets. Deuxièmement, mettre le contact et utiliser les deux boutons pour avancer ou reculer le chariot. En fonction du conteneur que vous avez sur la remorque, vous avez donc le chariot à déplacer. Et ici, pour un 20 pieds, ne jamais le positionner de cette façon. Vous allez ainsi créer des défauts au niveau de l'anti-renversement qui lui va se déstabiliser et qui va resserrer les mâchoires de frein, entraînant ainsi une usure prématurée des plaquettes et des disques de frein. En fin de manipulation, ne pas oublier de débrancher la prise électrique de façon à ce qu'elle ne s'arrache pas en roulant. Donc celui-ci est un 40 pieds et celui-ci est un 20 pieds. Cela est valable aussi pour les citernes. J'espère que ces recommandations vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner juste là et la petite cloche qui va bien pour suivre toutes les vidéos. Je vous dis à très bientôt et bonne route. Bird Machine. Check.